Quelque part, il était une fois. Quelque part, un petit enfant appelé Junior, qui dormait paisiblement, qui dormait calmement. Mais soudainement, il fut suivi par un orage où il y avait des éclairs et des tonnerres. Où il y avait des éclairs et des tonnerres. Le petit Junior fut rempli d'effroi et vite fait, il appela sa maman. Il lui dit, maman, moi j'ai peur. Maman, moi j'ai peur. Sa maman lui dit, mon petit Junior, écoute-moi. Tu sais, nous allons à l'église et nous prions un Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui veille sur toi. N'aie donc point crainte, car il veille sur toi, Junior. Dors, il veille sur toi. Le petit Junior répliqua sa maman. Il lui dit, maman, moi je crois tout cela. Maman, moi je sais tout cela, mais néanmoins je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Et moi aussi je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Souvenez-vous des enfants d'Israël quand ils se trouvaient au pied de la montagne de Sinaï. Que Dieu descendit dans la forme de la colonne de feu. Quand il parlait, il y avait des éclairs. Quand il parlait, il y avait des coups de tonnerre. Et ils dirent unanimement, nous voulons un Dieu avec une peau. Nous voulons un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. La femme tsunamite priait le Dieu vivant et il arriva que son enfant décéda. Elle amena vers un Dieu avec une peau. Son absolu, le prophète Élie. Et c'est là que la résurrection arriva. Il fallait un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau.
le chemin de Damas. Quand il allait persécutant l'église, il rencontra la colonne de feu qui fut incapable de lui donner le Saint-Esprit. Mais au contraire, elle aveugla la plus belle. Mais il fallait un Dieu avec une peau. Il fallait un Dieu avec une peau. Et moi aussi, je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Corneille le gentil craignait l'Éternel. Il adorait dans la droiture de son cœur. La colonne de feu l'avait aperçu, mais ne pouvait pas lui donner le Saint-Esprit. Oh, il fallait un Dieu avec une peau. Il fallait un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. L'énuque éthiopien rentrant dans sa patrie, sur le chemin lisait le prophète Ésaïe. La colonne de feu l'avait aperçu, mais ne pouvait pas lui donner la révélation. Oh, il fallait encore un Dieu avec une peau. Il fallait un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau. Aussi longtemps que Dieu demeurait dans la forme de la colonne de feu, dans la forme, oui, elle est un être spirituel. Il ne pouvait pas te sauver. Il ne pouvait pas me sauver. C'est ainsi qu'il a pris un corps appelé Jésus, et il est devenu un Dieu avec une peau, un Dieu avec une peau. Mon bien-aimé, ce qu'il te faut, c'est un Dieu avec une peau. Un Dieu avec une peau. Un Dieu avec une peau. Si tu as Dieu dans la peau, tu ne craindras pas les tonnerres. Les tonnerres, c'est la voix de Dieu. Toi qui rejettes
tire et jette les tonnerres. C'est parce que tu n'as pas Dieu avec une peau. Moi je te conseille de trouver Dieu avec une peau. Un Dieu avec une peau. Ne crains pas le tonnerre, c'est la voix de ton père. Junior craignait le tonnerre parce qu'il n'avait pas Dieu fait cher. Moi aussi, je veux un Dieu avec une peau. Moi aussi, je veux un Dieu avec une peau. Moi aussi, je veux un Dieu avec une peau. Oh, 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 oh. Je veux un Dieu avec une peau. Oh, oh. Je veux un Dieu avec une peau. Je veux un Dieu avec une peau.